commence à me gratter la figure. Salut YouTube, BD, on est sur Elden Ring. Vous ne verrez pas la création de perso car je l'ai déjà effectué tantôt, hier. Mais vous allez voir les débuts d'une débutante qui débute. Voilà. J'ai eu une toute petite minuscule expérience avec Dark Souls 3, donc très franchement je considère que non, n'est qu'une expérience de... des jeux From Software, franchement. Mais le tout petit début que j'ai fait m'a déjà fortement enchanté. Et j'ai choisi un perso qui fera rager les plus pros From Software d'entre vous. Et même tout simplement ceux qui ont au moins joué au Dark Souls. Parce que j'ai aucune race. Du coup, je vais jouer le perso le plus facile à jouer et le plus conseillé pour les débutants. Voilà! C'est parti! Continuez, on va voir où j'en suis. Il y a un petit Alpadros en haut, je vais l'enlever. C'était pour Mario Kart. Mais nous ne sommes plus sur MK8. Du coup, c'est parti. Ah oui, je suis morte. Bah oui, je m'étais laissée mourir. Déconne, hein, évidemment. Je suis morte. Je suis morte comme une naze. Et j'ai Alt-F4. Dès que j'ai vu le boss, il m'a vu d'abord. Et du coup, bah, on s'est vu. Et puis bah, après, j'ai plus vu grand chose parce que j'étais morte. Mais voilà. Le son du jeu va peut-être falloir que je le règle quand même un petit peu. Parce que je pense qu'il est un peu bas. Mais quand il y a de la musique, ça va assez fort. Donc je vais mettre plus fort et limite. Oh, c'est trop fort. Oh, d'accord. Oh, c'est juste ce que je me disais. Magie, c'est stylé dans ce jeu. Ouais, c'est stylé, ouais. Et apparemment, c'est aussi décrié. Alors. Je vais me reposer pour régénérer mes trucs. Game of the Dark. J'ai regardé le boss, il m'a regardé, on s'est regardé Alt-F4. Exactement. Ah, on peut choisir jusqu'à quand on se repose. D'accord, je découvre des trucs. J'ai vraiment fait que le tout début, hein. On s'est vu, on s'est pas plus. J'ai décédé d'œil. C'est très bien, j'aime beaucoup. J'ai passé le temps, fiole. Oh, fiole. Ajouter une dose de fiole. Une graine dorée pour augmenter le nombre d'utilisation des fioles. Oh, je peux faire ça, moi. Ah oui, j'ai pris comme objet graine dorée. Et du coup, j'ai pris comme personnage astrologue. On voit entre mes jambes. Oh, mais j'ai un pantalon. Non, j'ai peur. Améliorer mes fioles. Je peux améliorer mes fioles. Utiliser une arme de vie. Mais je sais même pas combien j'en ai, dis-moi combien j'en ai. Je vais partir à dose de fioles. Vous pourrez répartir le nombre d'utilisation de chacune de vos fioles. Chacune d'entre elles dispose d'une limite d'utilisation. Vous pouvez décider du nombre d'utilisation de la fiole, de l'arme pourpre, qui rend les PV ou de la fiole, de l'arme cérulienne, qui rend les PC. D'accord. Laquelle est laquelle, du coup? Laquelle est laquelle? Y'a pas un nom en dessous! Là, je vois un dessin! Bon. J'imagine que celle qui est rouge, c'est la vie. Celle qui est bleue, c'est la mana. Comme dans comme dans n'importe quel jeu normal, en fait. Elle est aussi plou! Non, mais après, c'est des jeux aussi qui aiment bien la difficulté. Non, mais je fais rien! Laisse-moi tranquille, annulé. Oh, sort mémorisé. J'ai quoi comme sort? Ah, du menu sort mémorisé, vous pouvez mémoriser les sorts. Incantation. Vous devez équiper un bâton pour pouvoir lancer des sorcelleries. C'est bizarre de dire ça, lancer des sorcelleries. Lancer des sorts. On est d'accord que c'est pas peut-être la meilleure traduction, quoi. Lancer des sorcelleries. Je lance des magiciens. Bref. Lancer des sorcelleries dans l'incantation consomme des PC. Oui, voilà. Vos emplacements de mémoire déterminent le nombre de sorts et d'incantations que vous pouvez mémoriser. Vous pouvez augmenter le nombre. Mais... moi j'ai quoi comme sort? Flèche de pierre d'éclat, arc de pierre d'éclat. Oh. Ouais, mais si ces deux sorts séparément n'ont pas de sens, c'est ça. Je vais lancer mes flèches à la main. Tiens, des projectiles. Projette un arc magique horizontal. Mais un arc n'est pas un projectile. Je veux dire, t'as un flingue à la main, tu vas pas le jeter à la gueule du gars. Du monstre. De la fille. Du non-binaire. Non mais j'ai peur de modifier quoi que ce soit. Écoutez, vous, je vais jouer et puis on voit plus tard. Hein? Voilà.
C'est bien ça. Ça, c'est moi, ça. Oh, y'a un mec. Ça, c'est quoi la touche? Voilà! Nulos. Alors, les messages, je les lisais au début, et puis ça me spoilait des trucs, alors du coup, j'ai dit, je vais arrêter de les lire. Ah non, je vise. Mais non, mais vise-lui! Voilà. Et pourquoi je vois des gens en surbrillance des fois qui font des mouvements chelous? Genre là, je vois une fille par exemple, avec des nichons. Voilà, pourquoi je vois une fille? Attendez, faut que je change d'arme. On va taper autrement parce que... J'ai eu peur. Voilà. Il est pas mort. Je fais des coups nuls. J'ai pas de meilleur coup. Ah, là, c'est mieux. Voilà, j'ai économisé mes pitis. Attendez, on va écouter le message en le lisant. Ah, c'est Delden, toujours pas, non. Voilà. Voilà, du coup, là, par exemple, c'est le genre de message où je me dis j'ai bien fait de m'arrêter. So, pourquoi? Oh, attends, j'ai pas changé d'arme. Attends, je change, voilà. Oh, je vise aussi mal que toi, putain! Ah, quand je bouge, ça marche plus! Merde! Oh là! Hey, quand je bouge, mes projectiles n'atteignent plus leur cible. Oh, je peux looter. On sait, je sais plus. On ne loot pas là. Là, je marche dessus là. Là, ça loot pas. Attendez. Non, je crois que ça loot pas. Hein. Non, ça loot pas. Là, ça loot. Ah si, voilà. J'ai bien fait d'insister, vous avez vu. Le petit bag m'a permis. Encore plus sexuel quand c'est une nana. M'a permis de d'avoir des loot. Objet en vue. Voilà, là ça m'a spoilé. Objet en vue. Bon, je savais. Parce qu'en fait, en vrai, j'ai déjà fait cette partie-là. Je me rappelle de rien, mais j'ai déjà fait. J'ai pas lu vos messages depuis 28 minutes. Je vais lire ailleurs parce que là, ça a défilé trop vite. Je vois rien. Je vois qu'il y a Sam, mais je vais dire bonjour que dans ma tête. Parce que ça fait longtemps qu'il est pas venu. Alors. Ah, t'as lu ma présentation? Quelqu'un qui lit ma présentation, merci beaucoup. Équipe d'un humour, merci. Multi est rigolo aussi, j'aime bien. Alors le multi, on m'a dit que c'était un peu oubliable. Mais bon, les gens ont souvent des avis inintéressants pour moi, du coup. Ah voilà, les autres joueurs de ta zone qui sont multi, ils apparaissent en fantomatique. Ah, c'est pour ça que vous me parliez de ça. Ok, je comprends le lien. Et pourquoi la fille, elle avait pas de vêtements? Il est sorti par la bite, celui-là. Merci le relevant. Je sais toujours si bien prononcer ton pseudo. Merci, bienvenue à toi. Bienvenue chez Eoxoterien. Je veux ni les messages de spoil au sol, ni les fantômes des autres, décoche le multi. Parce que c'est quand même full troll les spoils. Écoute, pour le tuto, je vais laisser. Et après, on verra. Oui, admirer. Là, par exemple, bon, bah, c'est un peu une sorte de déclaration, quoi. Admire le fruit. Alors là, j'ai mes larmes. Les larmes, c'est bleu, c'est ça? Oh, il me fait peur, lui. Mais du coup, là, je les vois en direct, les gens? Oh, c'est un méchant, lui. C'est un méchant, ça. Oui, c'est ça. Attendez, j'avais battu comment? En fait, le tuto, il m'avait dit de sauter en donnant des coups. Mais déjà, je peux faire comme ça. En fait, non, déjà, je vais faire... Attends. Attends, comment je saute? Comment je cours? Pas comme ça, je pense. Non, pas comme ça. Attendez, il était de dos. Il était de dos, gars. Courir, c'était B, je crois. Attendez, comment je tape? Ok. Voilà, j'ai raté! Je voulais sauter! J'arrive. Attends. Faut que je vise d'abord. Je vise. Je me désaccroupis. Attends! Arrête! Vilo! Je fais rien du tout. Attends le jeu. C'est chaud de sauter en tapant, vous trouvez pas? Les commandes sont... trop oubliées. Voilà. J'ai déjà fait beaucoup mieux que dans Dark Souls. Il fait quoi là?
Et t'as sauté. Oui, mais ça, le tuto, il me l'avait dit, de toute façon. Ah, regardez bien en vue. Oui. Les taches de sang, ça fait quoi, déjà? Mais voilà, ça me révèle des trucs, les taches de sang. Et ça, c'est quoi? C'est des gens qui sont morts? Genre, on voit des gens qui sont morts. Ah oui, c'est ça, j'ai vu des gens qui sont... Oui, voilà, c'est ça. Ok. Vingt-huit minutes très précis. Vu quand j'ai dit ça. Hein. Et il y a au moins 28 minutes. L'alerte, follow. Non, R3. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on se connaît depuis assez longtemps, je peux t'appeler R3 maintenant. Attention, je vise pas, je suis... Hop, no scope. Attendez, on va faire un 360 no scope. Moins impressionnant dans Dark Souls, mais dans un From Software, mais ça marche. Il y a une marque là, mais je vais pas la lire. Mais il y a peut-être un objet. Non, je lis pas. Je change de... Voilà. Et là, je peux taper. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de taper les objets? Parce que ça me plaît beaucoup dans vos... Oh non! J'ai cassé le feu! Je vois plus rien! Oh merde! Du malin, ça. Va bien? Génial! Il est foutu maintenant, le feu. Ça fait longtemps que tu fais que du Mario Kart ou du Pokémon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je refais beaucoup de Mario Kart. Je fais du Pokémon, mais le mercredi, on fait d'autres jeux. Genre, ce mercredi-là, on a fait du Fall Guys, alors que c'est le genre de jeu auquel je joue jamais. Et je fais très très régulièrement du Vampire Survivors. Mais c'est pas assez pour toi, hein. Bon. Ah oui, il y avait... Donc ça, il était là. Il était là et je l'ai... Il est tombé après. Il est tombé de là. Moi aussi, je peux tomber, hein. Ouais, c'est le genre de jeu où on peut tomber. Oui, oui, oui. Le genre de jeu où on tombe. Moi, je veux pas tomber. Moi, je tombe pas. Attention. Non, je vais faire à l'épée. Ah, j'ai tombé. J'ai raté. Hop, hop. Là, je le perturbe. Hop, hop. Je roule pour rien. Voilà. Voilà. Y'a pas de compo? Non. Ah si, y'avait un truc, un Y. Ah non, mais c'était lire la mort. C'est pas trop mes jeux, ça. Non, mais super, quoi. Caché là? Ah oui, le tuto il m'a dit de faire des attaques furtives à cet endroit. I remember that. Je vais essayer. J'avais raté. Bizarrement. Ah non, j'avais. Non, mais on dirait pas une attaque furtive, ça fait pas une animation particulière en fait. Bon, super. Il y a une fenêtre. Puis j'y vais. Quelqu'un. Mais attendez, j'ai un sous parce que j'ai plus beaucoup de magie, mais je vais déjà devoir utiliser ma fiole, mais j'en ai pas beaucoup. Attends. C'est comme... Mais ça sert à rien, moi. Oh, l'enchaînement, par contre. Moi aussi, je fais des roulades. T'as besoin de reprendre de la vie, toi? Pas moi. Moi, je veux mieux. Alors, j'ai lu que deux messages, en fait, sur tout le monde. J'ai donné envers Alix? Mais oui, mais il y joue depuis un moment, Alix. Et c'est là où on peut respawn quand on meurt. Ah oui! Et mercredi, c'est Worms? Oui, alors j'ai mis Worms aussi dans mon programme. J'ai mis à jour mon programme pour la semaine prochaine. D'ailleurs, on va avoir un jeu... de simulation lundi. Quel rigolo. On va avoir la découverte de Kirby vendredi, je pense. Et effectivement, j'aimerais bien faire Worms mercredi. Voilà, je te l'ai pas dit encore. Alors là, je crois qu'il y a des boss. Ouais, il y a un boss. Bon. Attends,
Ah oui, c'est vrai, c'est ça, il me court dessus. Attends, je t'ai pas visé encore. Attends, je sais plus comment on fait. Voilà, comme ça. Ok. C'est fait, j'ai pas pris de fiole. Normal. With my config. On voit pas ma tête, mais je crois que j'ai du sang sur la tête. Don on the face. Voilà. C'est ma gueule. Je fais des yeux rouges et là elle a un maquillage qui. Et bon, les blessures, ça c'est arrivé après. Merci. Coucou. Voilà, du sang. Mais alors le reste, c'est parce que je suis souvent tombée, j'ai trébuché, et je viens de battre un boss. Il était très fort, je pense. Alors, c'est quoi ça? Vers le message, changer d'action. J'attache... Ah ouais, non mais ça je m'en fiche. Donc ici, il n'y a rien, il n'y a même pas de loot. Parce que là, ça brille. Du coup, si ça, ça brille. Récupérer... Oh oui, parce que je suis morte là, bah oui. Je m'a foncé dessus quand je suis arrivée. C'était hier. Il m'a buté très vite. Donc, je trop cherché, j'étais là, j'ai même pas cherché à bouger. Du coup, je me suis dit, ok, on verra ça demain. En live, ce sera mieux. Voilà! Merci! C'est pas un vrai multi. Pas mal de limites. De ce qu'on m'a dit dans le multi de Elden Ring, oui. Oui, il y a des limites. Et apparemment. Je sais pas. Je testerai quand même. Encourager. Ah, j'ai loot. J'ai loot. Une émote. Comment on fait les émotes? Changer. Oh putain. Attendez, ça c'est un autre sort. Oh, c'est bien, c'est beau. Vachement sympa. Mais là, je vais chuter. Je vais chuter si j'avance. Et si je chute, ça pique. C'est la technique du contre-mur. Ça marche dans tous les jeux. La prudence. Je vais prendre mon autre truc parce que je veux pas gaspiller ma magie. Et là, il y a un type. Attendez. Brave sans éclat, sautez le pas. Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir. Imprégnez-vous des arts de la guerre, de votre sang de guerrière. Moi, j'ai mal à la nuque. Vous avez vu, il a un gros cadenas là, ou un truc, ou un panneau. Mais oui, parce que voilà, je suis allée là et là c'était le tuto. Et en fait, après on va là, et là c'est la suite, là c'est le vrai début. Maintenant j'ai peur parce que c'est le moment où le jeu te dit c'est bon, on t'a appris tout ce que ça va être, démerde-toi. Ah, mon petit fait de camp. Oh, c'est marrant, c'est un accouplement. Un accouplement de monstres. Le cadavre. Utiliser un doigt crochu de sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée. Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, une session multijoueur coopérative débute. Vous endossez alors le rôle d'allié. Doigt crochu. Je suis quel doigt du coup? Et avait pour objectif de vaincre le boss de la zone. La boussole en haut de l'écran indique la direction de l'invocatrice. Hôte des doigts. L'hôte des doigts, c'est la main. Et moi, si je devais être un doigt d'une main, je serais celui-là pour faire des faux fuck. Ok. Et ça, c'est un peu un accouplement de doigts. Briseur de doigts. Oh.
Le crochu. Oh, il est sympa ce doigt. C'est quoi une Valda? What is the Valda? On va capturer ton jeu entier? Ah, vous voyez pas le jeu entier? On voit pas les runes hein, en bas. Ah ouais, le jeu il est pas en... Ah ouais, souris. Attends, c'est bizarre. Ah, c'est juste en bas, je crois que c'est un peu trop bas. Ah bah non, en fait. Ah oui, mais si je capture le jeu entier, ça va faire ça. Pourquoi ça fait ça? Ça faisait pas ça avant. Attendez, je vais capturer le jeu. Parce que... D'habitude, je capture mon bureau. Parce que j'avais eu des soucis sur Cyberpunk. Mais là, je vais capturer le jeu, ce sera better. Autre. Hop. Ouais, ça nique un peu l'immersion, je suis trop déso. Fenêtre spécifique. Et là, ça met Elden Ring. Alright. Alright, non. Et du coup, il est où le jeu? Bah, il est sur ma gueule, là. Là, il est sur ma tronche, mais on va arranger ça. Je vais le mettre ici. Là, je vais cacher. Ah non, j'ai caché le mauvais. Là, je vais cacher. Voilà. Là, il est ok. Plein de jeux capturés que je joue plus ou que j'ai fini il y a très longtemps. Voilà. Là, normalement, vous allez tout voir. Par contre, je suis à la place des runes. Il n'y a rien de l'autre côté. Des runes, pas des runes, mais de mon matos. Est-ce qu'il faut mieux que je me mette là, genre? Je crois, hein. Flip horizontal, voilà. Non, mon micro, il est dans le vide, mais tant pis. Comme ça, là-bas, vous verrez, vous pourrez voir mon matos, les sorts que je prends et tout. Qu'est-ce que je fous là? J'ai pas suivi. Spécule de sac. Oh, il se passe... Oh. Ça va faire des guillis dans le ventre. Moi, je suis sur un orteil juste pour embêter les gens. Ah bon, tu vas te cogner, c'est ça. J'aurais plein de traumas crâniens de doigts. C'est du jambes bas-clou. On parlait de doigts et d'orteils. Et jambes bas-clou arrive. Je sais pas, il y a peut-être un lien. Et oui, j'ai un beau micro. Nécrolimbe. C'est juste trop classe par contre. Franchement, dès qu'on arrive au niveau du tuto, au tout début, on a une vision comme ça sur l'arbre, mais au loin. Et c'est déjà rien que ça, ça donne envie en fait. Oh, je vais avoir ma monture aussi. J'ai vu qu'on avait une monture super stylax. C'est quoi ça? Ah oui, non, c'est une tache de sang, je m'en fiche. Voilà. La guilde des sans-éclats sur la bonne voie. La grâce guide des sans-éclats sur la bonne voie. De nos jours encore, certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Adoré, Baliseron. Votre chemin. Ah, d'accord! Aïe. Aïe, toi. Ah oui, ça me guide! Mais c'est trop bien! On a un indicateur du chemin! C'est trop bien! Servez-vous de la carte pour consulter la position actuelle et connaître les structures et les terrains environnants. Trouver des fragments de cartes et des stèles le long des routes fera apparaître de nouvelles informations sur votre carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises afin de vous aider dans votre exploration. Ok. Consultez votre position actuelle, vous avez la possibilité de placer des balises, vous pouvez également vous rendre instantanément auprès du site de grâce. Trop bien! La musique est peut-être un peu basse, n'hésitez pas à me dire. Et messieurs, c'est vrai que c'est un jeu qu'il faut faire franchement. Et si t'aimes pas les Souls... j'ai juste essayé un tout petit peu Dark Souls et c'est pas ma cam. Après, je vais pas dire que j'aime pas les Souls, on en ayant fait qu'un. C'est Sekiro celui qui m'intéresse le plus, mais c'est l'un des moins Souls justement, on m'a dit. Donc, basiquement, voilà, je sais pas. Le commencement, ok, the beginning. Là où je suis. C'est ça ma marque. Ce petit spermatozoïde doré que je suis. C'est moi. Je veux au commencement, moi. Oh, trop classe!
L'assistant chasseur en multijoueur le soutient. Oui, c'est ça. On va parler à la dame. Oh yes. Pas une dame. Alors même pour moi, sa voix est assez basse. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Pas de servant, sans personne pour vous, sans le pouvoir des runes, sans invitation du bastion de la table ronde, au bastion de la table ronde. Il semblerait que vous soyez destiné à périr dans l'anonymat. Oui, je reste optimiste. Charmant. C'est quoi là-bas? Des oiseaux? Des animaux? Mais j'ai des... Pourquoi j'ai ça? Des petits lags là. Avec ma config, ça va pas arriver. C'est des oiseaux? Ils vont m'attaquer? Non, trop pas. Oh. Ok. Bon, attendez, je vais suivre le chemin. On va pas commencer à faire le chiot qui découvre le monde et aller vers le moindre truc qui capture mon attention. On va se concentrer sur le faisceau de lumière. Je vais descendre. Du coup, il y a beaucoup de taches de sang partout. Mais comment des gens ont pu mourir ici? Comment j'ai des baies? Je vais ramasser pour le moment, je vais looter. Et on verra la suite. Examiner. Des effigies de martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs auprès d'elles. Faire les marques d'invocation coopérative et compétitive créées à l'aide de... Ok, ok. Oui, mais là pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse. Waouh! Oh, le cavalier, il a l'air trop dur! Oh, je sais pas. Pourquoi les gens ont des chevaux et moi j'ai pas des chevaux? Enfin, je vais dire la marque, il va peut-être me dire. Ennemi faible, endroit devant. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois pas. Très bien qu'il est pas faible. Il a pas l'air faible. Y a pas d'ennemi faible. Le faisceau? Ah oui, d'accord, ça me dit juste à peu près par là, quoi. Ah non. Le... Non, ça, c'est l'arbre qui fait des faisceaux. C'est l'arbre. Faisceau, il s'arrête. En fait, il s'arrête vraiment pas longtemps après avoir commencé à le suivre, en fait. En fait, c'est une sorte de canne à pêche, le faisceau. Voilà, on va dire c'est à peu près par là, quoi. Approx. Oh, il y a un mouton. Il va m'attaquer? Non. Oh, au loin, vous avez vu des grandes ailes qui battent? Vous voyez là? On voit un dragon? Bon, je suis le faisceau, pardon. Mais y'a pas de faisceau. Je revois... Ah non, mais disais genre par là. Genre, c'est vers par là. Je comprends rien. Je comprends pas ce que c'est que ce faisceau qui s'arrête au bout de 3 mètres. Faut voir quand même la quantité des runes. Ah, faut que je me décale encore. Oh, mais là vous voyez rien, il y a rien sur mon écran. Je verrai quand ce sera affiché. Ah oui, regardez-vous. Alors, au pire en vrai, si vous voyez pas bien, vous pouvez cliquer là. Et faire oui après et mettre votre PayPal. Ce sera super. Si t'aimes pas les sous, t'es comme moi. Tu baves devant et tu pleures de pas le faire. C'est ça. Ouais, j'ai fini par céder. Je me dis, écoute. Ça, c'est un bon jeu de la vie de plein de gens qui ne sont pas spécialement des fans de sous, voire qui n'en ont jamais fait. Donc, let's go. Oh, il y a des épaves. On peut nager dans le jeu ou je vais me noyer? Est? Non. Non, plus tard. Quand je saurai où je dois aller. Bon, je vais regarder la map au pire. J'ai un... Oh, un faisceau m'a indiqué une direction approximative si c'est pour après me dire wouf. C'est là-bas hein, qu'il faut que j'aille. Ça se loot, ça.
Oh, Mundis. Peut-être que j'aille à l'arbre de vie, tout simplement. Enfin, j'appelle ça l'arbre de vie, parce que c'est... Voilà. C'est littéralement l'image que je me fais d'un arbre de vie, en fait. Donc, peut-être un peu moins... On aurait fait le tronc différemment, mais sinon tout pareil. Oh. Non, je veux pas lire le message. Une droite devant. Bon, je l'ai lu. Oh. Regardez des portes. Pour que je retourne aux racines. Oh, ça me donne un petit guide. Attends, je descends. Reste allumé, je descends. C'est quoi dans l'eau? On dirait des gros boutons gorgés de pus. La rivière, elle a des boutons. Le lac, plutôt. Ok. C'est quoi ça? Lys de Trina. Alors attendez, le faisceau il faisait tout droit. Après il s'est arrêté. On est marre des faisceaux. Je peux pas lever la tête plus. C'est par là, à peu près. Il y a un petit rébus dans le Discord. Sur le Discord général, trop mignon. Ok, j'irai voir. Ah, tout le monde a des frises, t'inquiète pas. Ok, merci. Oui, j'avais cru comprendre que la version PC, beaucoup se plaignaient d'un manque d'optimisation. C'était assez saoul et j'ai quand même accroché à celui-là. Ok. Par contre, quasi sûr que je finirai absolument pas. Il a l'air extrêmement long. Tu sais, les open world aussi, ces genres de jeux avec vraiment beaucoup, beaucoup de boss à faire et tout ça. Basiquement, le finir, ce serait au moins faire tous les boss, j'imagine. Ça a l'air de pas être simple. Des humains, ça, ils vont pas me tuer. Par contre, l'arbre là-bas, il a l'air de bouger dans tous les sens. L'arbre qui est pile poil au-dessus de ma tête. Enfin, pas moi, là-bas. Voilà. Et en fait, ça me fait complètement penser parce que je joue un peu trop à Pokémon. Je me dis, si je tape dedans, un Pokémon va en sortir. Aux endroits des faisceaux, tu regardes sur la map. En fait, je vois que le faisceau qui m'indique comme ça. Mais après, ça m'indique rien. Comme là, le faisceau, il m'indique comme ça. Je comprends que j'en avais par là. Après, ça m'indique rien. Du coup, bon, bah, le faisceau, j'ai compris à peu près ce qu'il me montrait, mais... Bon, ça sent... Ça pue, ça. Je vais voir si je peux le tuer. Un méchant, je pourrais le tuer. Un méchant... Des méchants. J'ai vraiment l'impression de buter des petits vieux dans un EHPAD. Je me sens pas. Voilà. Je me sens pas très bien. Regardez, il a rien. Regardez le pauvre quoi. Vaincre des groupes d'ennemis. Vaincre des groupes d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. Ah d'accord, trop bien ça. La quantité et le type de fiole varient en fonction du groupe d'ennemis. Hello Sangelios, je t'ai dit déjà, je crois que je t'ai dit. Sinon re et bonjour, comment ça va? J'aime le jeu, oh, j'ai à peine commencé. Il a l'air très cool et je le trouve très joli, mais j'ai à peine commencé donc je vais vraiment pas me prononcer pour le moment. Sur si je l'aime ou pas, j'ai déjà essayé de me trouver une route. Oh, il y a une grotte. Je vais dans la Teugro. Ah mais j'ai pas de point de... J'ai pas par contre de... Non, c'est pas une grotte. J'ai pas de point de... Comment on pourrait dire? De campement quoi, parce que je sais pas comment appeler ça. Oh, il y a de la lumière par contre. Ah bah il y en a un là. Nice, on y va. On va dans les catacombes. Pourquoi pas. Hello Pizza de la Night. Des heures sur un seul boss, et que c'est pile ce que je déteste dans un jeu. Bah après, tu peux. Après, dans ce jeu-là, contrairement, je trouve, l'impression que j'avais avec un Dark Souls, c'est que tu peux attendre
de refaire le boss plus tard, quoi, attendre d'être plus puissant et tout ça. J'ai aimé voir d'autres qui étaient, vu que j'ai regardé Anti en stream, mais j'y arrive pas, ça m'en fout. Ouais, je comprends. Parce que je préfère non plus quand surtout c'est. Je sais pas, moi le côté exploration et RPG-esque du jeu de celui-là me plaît. Parce que je ressentais pas beaucoup en Dark Souls. Ah là là là! Il m'a éclaté. Ah, mais y'en a un autre, je crois que c'était une ombre. Faut que je désactive. Faut que je désactive le multi parce qu'en fait, du coup, je croyais que le bruit que j'entendais c'était les ombres des autres joueurs. En fait, non, c'était un autre mob. Oui, checkpoint, mais je voulais le vrai terme, ils appellent ça comment? Site de grâce. Désactiver le multi, on va faire ça parce que ça me perturbe. Effectivement, multijoueur. D'accord, ça c'est pour se rejoindre, j'imagine que c'est dans les configs. Le verrouillage automatique? Non. Voilà. Ça a marché. Arrête! Ok, c'est bon. Petite dégraisse. Je vais faire une sale blague, je le ferai pas. Les joueurs ne font pas de bruit, oui, mais je suis pas encore habituée. Mais surtout que je l'ai vu faire une roulade et à ce moment-là j'ai entendu un... J'entendais le bruit de la roulade. Attendez, j'ai mon flingue. Il est où? Ah, j'ai raté. J'ai complet. USA? Ah, je pensais à une autre blague. C'est... Allez, allez, hardcore celle-là aussi. Attendez. Gratouille. Ah, mais faut que je récupère. J'avais pas récupéré mes trucs. Si? Non, j'ai. Si? Non. Attends. J'ai désactivé. Je vois quand même des connards. Ah, parce que c'est par mètre de lancement. C'est la même erreur. En fait, j'essaye vite de me retourner. J'essaie de lui lancer un sort et de me retourner vite, sauf que bah, le temps que je lance le sort, faut que je change de sort. Là, j'ai celui qui est lent. Que j'ai pas encore testé, en fait. Voilà. Je vais mettre celui-là et on va tester. Gonna test it. Tu vas dire, toi ? C'est une émission ça, l'appel des racines. Ah non, des racines et des ailes. J'arrive pas à tourner ma vue. J'arrive pas à tourner ma vue, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a verrouillé l'autre. Là. Ok. Ok, attends le jeu. Bien, le message. Passe-moi c'est. Loser. Ah, je déconne. Pas le moins stylé que j'ai jamais vu.
cadavres. Ah, résine de racine. Il a parlé de racine. Les cheveux dans les yeux. Les cheveux dans les yeux. Les yeux dans les... Les cheveux. Ça pourrait être une super émission de relooking, non? Les yeux dans les cheveux. Bien, moi. Attendez, fiole. Non, ça, c'est ça. Combat de coq. Les combats de coq ont plus de grâce, je pense. Non, non, on n'est pas dans Skyrim. On explore en mode... En mode nullos. Regarde des matériaux. Ah! Mortimer ou mortifère, j'ai pas bien lu. Astrologue que t'as pris. Tout à fait, tout à fait. Oh, je te vois là-haut. Attends, 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 attends. Je t'ai vu. Ça va, je t'ai vu, en fait. Moi, je vais tester mon autre magie. J'ai gâché ma magie. Y'en a un autre, j'ai entendu. J'ai plus de magie. Aïe. Du coup, quand il n'y a plus de magie, il fait ça avec son bâton. Un mec qui est mort. Alors. Violette funéraire. Est-ce que ça peut exploser si je tape dans des bocaux, dans des pots, dans des caisses, dans des trucs comme ça? Moi, par réflexe, je le fais. Déjà, j'aime bien le bruit que ça fait. Mais c'est pas... Je demande. Mais oui! J'ai désactivé le multi, mais ça me sert... Je crois qu'en fait, j'ai désactivé le multi au lancement du jeu. Mais je crois qu'il est toujours activé pour ma session. Pas grave, une petite compagnie. Que comme vous sur le chat. Un petit peu votre incarnation. Et je me tire. Oh, ça a l'air bon. Ok, c'est ça? Ok, faut que je... Faut... Oh, vite! Attends mon coup, comme ça. Je peux pas looter. C'est B, je me suis trompé. J'ai appuyé sur... Oh, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah! J'ai... Ça sert un petit peu le cucu, hein. Il y a d'autres trucs là-bas. C'est du loot, c'est ça? Je vais grimper pour voir s'il n'y a pas un feu de camp. Je lâche, je meurs. Il y a un méchant là-bas. J'ai vu le méchant. Il est mort le méchant. Ah! Oh, j'étais trop... Ah! J'étais trop marrant, mais pourtant... Trop piégé ça. Oh non, c'est pas piégé. Oh, mais je vais pas bien du tout.
L'arme pour... C'est ça pour me heal ? Bon, j'ai besoin des deux, de heal et de magie. Arrête. Arrête. Vas-y, viens. Au fond, moi, viens pas. Il s'arrête pas. Il me reste de la magie au pire. Je suis tellement loin d'un feu. De quand? Les frais bandits ont promis que c'était injouable à l'arc. Ah bon? Du coup, j'ai repris un confesseur. Du coup, j'aurais dû prendre un gros guerrier bourrin pour m'en sortir en fait. Je comprends que ça me dépendait de ta maîtrise des jeux Souls un peu. Là, j'ai looté donc j'ai pas besoin d'y aller. Allez là moi, faut que je récupère mes loot. Recule plus, ouais, nulos. Mais non, mais c'est pas là que je dois aller. Pour récupérer mes trucs. Ah si, j'ai loot ici, je suis reparti en fait. Mais punaise, pourquoi je m'emmerde à les affronter alors? Elle est là, mais je me rappelle pas. Non. Ah oui, après je suis allée ici. Mais oui. Après il y avait eux. Ouais, ouais, ouais. Ils sont tombés où? Il n'y a pas de loot. Oh, et puis j'ai pas le temps. Là par contre je loot. Un piège? Il y a quelqu'un. Il y a un truc. Ah, il y avait le feu. Il y avait un type là. Non là. Non, je sais plus où. Il y avait un mec. Il y avait un mec, je me rappelle. Il est où? Il est pas là. Il y avait un gars. Ah, il est là. Ah, il est sorti par la vitrine. Ah, merci pour le follow de Legend. Merci, bienvenue. Vu comment on... Oh, toujours 20 minutes à voir ma truc là. La même catégorie, ultra hype, bien fait soul. Eh ben bienvenue. Et tu as pris le jeu ou pas encore? Ou enfin pas encore, ou pas du tout, tu te renseignes, voilà.
Bon. J'ai pas besoin de tuiler. Mais du coup, là, faut que je récupère mes loot. Voilà. He's ok. Ensuite. Ouais. Ensuite, là, il y en a un. Il m'énerve. Ah, il est là-haut. Regardez, il est là-haut. On va. Attends, la caméra. Et, là, et là-bas, il n'y a rien, hein. J'ai envie de tenter, mais j'ai trop peur de cramer. Je vais tenter quand même. Je bosse pas sur le côté, je pense. Oh, what is that? Caboche posante, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est où mon inventaire? Équipement. Ah là, tu me dis équipement, vous pouvez équiper des armes, des flèches, machin, machin. Vous pouvez attribuer jusqu'à 3 armes par main. Ah d'accord, ah c'est beaucoup. Le feu derrière, il... Bah il est constant du coup. C'est le bon endroit pour regarder mon inventaire, c'est sympa. C'est quoi la caboche causante? Ok. Il y a une voix qui dit bonjour. Pas trop bien. Une caboche causante. C'est le tout début, tout à fait. Alors, après c'est le tout début, j'ai commencé à explorer une sorte de catacombe qui est pas loin du spawn, mais je sais pas si je dois le faire maintenant ou pas. Parce qu'on est assez lâché. On nous laisse un petit peu... le jeu nous dit, bon bah voilà, maintenant t'es lâché, vas-y fais ce que tu veux. Même si on est un peu guidé, j'ai pas compris le guidage. Bon. Et moi j'ai pris l'astrologue. Et du coup un mage. Ça va t'alourdir dire oui oui complètement, c'est vrai que si j'ai plusieurs armes ça va être antenne. On a un juste là. Nyang. Ah lui, lui, lui. He's ok. He's ok, he's ok. Ah mais il y avait eux là-bas. Remember that. Ouais, je te vois toi, petit filoutube. Gâcher de la magie. J'en ai plus. Allez, change d'arme. Non, 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 non. Des matériaux. Le cadavre. Après, bah, je reviendrai bien là d'où je viens, en essayant de pas cramer, et pour prendre, pour sauvegarder en fait, là, tout ce que j'ai en doute. Mince, j'ai pas lu. Invoquer tout de suite variété d'esprit. Je peux invoquer des esprits. Ok, j'ai appuyé sur OK 3 fois. Aucun répit. C'est des petits ennemis encore, ça va.
Mais voilà, c'est surtout, je pense que c'est ça aussi qui est la grosse difficulté d'un jeu comme ça, c'est que mine de rien, les sauvegardes, bah là j'en ai vu qu'une, toute cette partie-là, quoi. Les points les checkpoints, plutôt, voilà. Là, comme c'est. Bon. Là, je peux descendre. Si je descends, je meurs tellement. Par contre, ça, là. Là, je meurs pas, là. Non. Non, je meurs pas. Je savais. Vous saviez pas. Ah, et ça fait quoi, ça? Lourde porte est ouverte quelque part. Où ça peut... Non, non, non. Non, non, je vais tomber. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Elle se relève pas. Ah, 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 ah. Je déteste. Attendez. Oh, c'est chaud. J'ai plus ça. Dommage, j'aurais pu en profiter. Allez, non, non! Non, 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 il va me tuer. Voilà, c'est bon, là je suis un peu plus sûre. Je vais pouvoir... j'ai un checkpoint pas loin. Et on va ouvrir la porte. On a fait cette partie là. On a looté ce qu'on voulait looter. It's ok. Non, ça on y va pas. Voilà. Et ça c'est l'entrée du truc. Et c'est là où j'ai trouvé mon checkpoint. Pour le moment il n'y a que celui là que j'ai trouvé. Ajouter une dose de fiole. Mais j'ose pas, je sais même pas combien j'ai de graines. Attendez, je vais voir mon inventaire. Pour mémoriser. Ah, l'incantation, c'est pas un sort alors. Vous pouvez placer des objets que vous transportez dans votre coffre pour les y stocker. Oh, je vais faire ça. Bah, je vais stocker ça, je peux ? On voit ça alors. Ok. Et ça c'est quoi? Ok. Ah oui alors, c'est quoi? Invoque des esprits de 5 nobles errants. Une invocation alors, mais c'est pas un sort. Je vais peut-être aussi pour le moment le basculer vers le coffre, non? Ça c'est le genre de truc qu'on utilisera peut-être à un boss. On va pas utiliser comme ça. Alors là j'ai tout ça. Précision de racine. Peut-être tout foutre dans mon coffre pour le moment. J'ai peur moi de perdre tout. Ou alors j'en mets un peu de chaque. Genre là, j'en mets 10. Là, je mets les 4. Ah voilà, graine dorée. Ajoute une utilisation à la fiole sacrée. Bon, bah, c'est super intéressant. Et mon carte. Avec du gros skill, hein. Non, c'est gentil, mais il y a pas de gros skill encore. Par exemple, il est cross-platform. Alors non, je ne crois pas qu'il soit cross-platform entre PlayStation et PC. Il est cross-platform, je crois, entre Xbox et PC. Mais pas d'autres, je crois. Après, il coûte 3 euros. Donc. Voilà, il y a peut-être moyen quand même de s'arranger. Mais malheureusement, je me suis renseignée, je crois pas qu'il le soit. Je crois pas parce que j'ai pas vu. En fait, j'ai pas vu beaucoup de sources qui en parlaient. J'ai vu des gens qui supposaient machin, mais. J'ai vu personne tester, quoi. C'était il y a longtemps.
Non, mais je suis exclu. On vérifie, il faut qu'on vérifie. Non, je sors pas, je sors pas. T'as bien sauvegardé, hein, à partir du moment où je suis assise devant mon truc, c'est bon. Je vais refaire se reposer encore. Bah, j'ai qu'à voir mes fioles, je suis un peu nul. Ouf, voilà, c'est bon. Ok. On continue l'explo et on va aller à la porte en bas. Ah, mais c'est celle-là qui s'est ouverte. Je savais même pas qu'elle était fermée, j'avais même pas essayé. Oh, dis-donc. Ah, bah, y'a un boss. Ok. Oulala. Bah, je suis pas très prête, mais c'était un donjon, entre guillemets, plutôt facile. Donc j'imagine que c'est fait pour les débutants, et j'imagine que le boss sera pas un truc de fou. On va voir. Oh, mais il est déjà trop classe. J'ai esquivé. Ok, la magie c'est bien. Je sais pas si c'est ici. Je vais tester celui-là. Ah non! Mais non! Il fait un coup vers l'avant aussi. Naze! J'aime bien ce côté caillou à moitié roche à peine vivante. Ça veut pas dire grand chose, mais à peine mobile quoi. Ah, t'es que des amis sur PS4. Ah. C'est chiant. Même sur Switch, parce qu'il est aussi sur Switch, mais bon, oui, y a pas de raison. Ok. De lire ses mouvements, mais j'ai du mal. Ok, ok. D'ailleurs, de l'arbre monde. Il est bien flippant hein, dans sa gestuelle. J'ai pris le jeu juste pour tuer les worms de Grisillon. Oh. C'est terrible. Déjà bien plus mal que ce que je lui faisais, je suis allée farmer des armes pour lui, moi. Mais moi, c'est lié à ma magie, hein. C'est lié à ma magie. Après, je sais pas par rapport aux autres personnages, mais je sais, c'est communément admis chez les joueurs que c'est un peu cheated normalement la magie. Moi, je fais pas de problème avec le cheat. C'est pas un truc qui me dérange. J'ai essayé d'esquiver mais j'avais oublié la touche. Allez. J'ai esquivé mais ça marchait pas. Je vous promets. Récupère tes armes si t'en as. J'en ai pas des armes moi. En fait j'ai rien fait d'autre hein, jusqu'à présent. C'est mon premier truc et j'ai pas trouvé d'armes. J'ai trouvé une tête qui dit bonjour. Non mais j'en ai pas d'armes. Enfin j'ai que les miennes, j'ai que ça et ça. Ah des âmes pardon. Non, je crois que j'en avais. Ah bah si, j'en avais. Tant pis. Ici, j'en avais un petit peu du donge. Mais ça, c'est pas un réflexe que j'ai encore. Faut que je fasse vraiment gaffe. À mes armes.
J'ai encore rien fait, donc j'en ai pas énorme, mais j'avoue, faut que je fasse gaffe. Oui, c'est ça les âmes, c'est ça? Oui. Ah, j'ai trompé. J'aurais eu le temps. Good to know. Ah! Je tente de tourner autour, mais vu que je vois pas où il est spécialement, ça marche pas bien. Voilà, j'ai récupéré au moins. Par contre, je suis morte bien au milieu de la salle. Ben c'est bien que le feu il soit là. Faut de se taper tout ça à chaque fois. Non, c'est quoi là? C'est quoi loupé? Ça. Oh, j'avais le temps, je m'en veux. Merde. C'était ça le moyen de pas mourir. Chambre de sorcier noble. Oh, punaise, j'ai préféré lui mettre un coup plutôt que de régénérer ma vie. C'était un peu risqué. Ah non, pas encore. Merci beaucoup. Poil de cucu, oui. Oh, poil de cucu. Je vais regarder ce que c'est que ces lumières. C'est juste des lumières de type bougie. Ok, j'ai un autre loot alors. Même pas si bug le boss quoi. Alors qu'est-ce que c'est ça? Oh. Ah, en fait l'arbre il tire ses racines de cadavre. Oui, c'est comme un peu tous les arbres finalement. Qu'est-ce que l'engrais? C'est des déchets et des cadavres. Bah d'autres trucs aussi en fait. Ok. J'ai fini les catacombes. Je grite beaucoup trop. Ah c'est que je le sentais tu vois, c'est le feeling quoi. Je le sentais dans mon corps en fait. Into my body I've got the feeling. J'ai mis prendre que tu veux. Petite sauvegarde. Pour régène en fait. Pas vraiment une sauvegarde surtout pour régène. J'ai des trucs à mettre dans tes coffres. Ah oui, ça. Donc je sais pas ce que c'est en fait. C'est descendre. Je crois que c'est des invocations. C'est descendre. Et du coup, c'est des trucs à récupérer, ok. Ça fait quoi? Je crois que si j'appuie sur A, ça les utilise ou je ne sais quoi et voilà. Après, bah ce soit ballot. Alors. Oh non!
non, je me suis révélée. Alors. Il m'a brûlé. Deg quoi. Oh, c'est un crâne. D'accord, du coup, j'ai été guidée jusque là en fait. Hein. Oh non, c'est mon interprétation du guidage étrange. Alors, je décide où aller maintenant. J'ai juste coupé la VOD. C'est un peu plus d'1 heure. On a fait des trucs. J'ai pas tué un boss, ça me va. Du coup, à bientôt pour la suite.